un milliard de voitures comme celle-ci circulent à travers le monde et autant de pots d'échappement. Rien qu'en France, 1 million de tonnes d'oxyde d'azote sont produites chaque année, dont la moitié est due aux voitures. Et bien ici, dans ce centre de recherche, et bien des chercheurs ont trouvé un produit qui s'appelle le Noxair, qui serait capable de piéger ces oxydes d'azote. Suivez-moi. Alors, comment marche ce procédé chimique qui permet non seulement aux chaussées, mais également aux murs anti-bruit, de piéger les monoxydes d'azote qui sortent des pots d'échappement? Eh bien, c'est simple. Ici, on a un bout de chaussée. Ici, on a un coulis qui contient du dioxyde de titane. Associé aux rayons du soleil, c'est-à-dire aux ultraviolets, se crée une réaction chimique qui piège ces monoxydes d'azote et évite les pics de pollution. La fabrication du Noxair, c'est une véritable recette de cuisine qui a pris des années dans ces centres de recherche. Le dioxyde de titane, l'élément principal, mélangé à du ciment, et puis différentes espèces de granulats, dont du sable, de la fibre de cellulose pour mettre le produit en surface, du colorant et de l'eau. Et notre produit, donc, est prêt à être étalé sur la chaussée. Eh bien, au travail. Alors, au centre d'essai, on essaye les différents supports. Il y en a de toutes les couleurs, des gris foncés, des gris clairs. Et ça permet de tester les adhérences, l'efficacité du produit, enfin tout, quoi. Voilà notre laboratoire en vraie grandeur. On fait venir du gaz comme s'il sortait d'un pot d'échappement et on analyse le gaz à la sortie avec ou sans le procédé. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait photocatalysé, c'est-à-dire les rayons du soleil. Alors lorsque je mets une plaque pour cacher les rayons du soleil, on voit que la pollution est à son maximum. Lorsque je retire la plaque, les rayons du soleil attaquent le revêtement et on voit sur la courbe qu'il y a une pollution qui diminue d'à peu près 80%, ce qui est énorme.